Bon. Bon. Oh non, il n'y a pas un combat, il n'y a pas un combat, il n'y a pas un combat. Mais what? Allez, d'harcèlement? What? Putain, je me fais full harceler tout le long. Mais c'est. Non, c'est pas ce rival, mais il est loin Squeak. Il y a un rival, il est à un niveau 37. Je peux faire ça des what? Je peux pas utiliser petit coup de boule? What? Pourquoi? Comment ça, j'ai plus de PP? Tellement. Ah, tu sais quoi? On va jouer avec Simia Braz. Il est au 31, son point bleu. Alors, je sais pas que c'est le pire qui me one shot avec une attaque haut. Mais vu que j'ai un peu peur, j'ai fait close combat. Alors, vous n'en voudrez pas? J'ai acheté mon Tony au 41. Oh, roue de feu et c'est fini. Hein. Les Pokémon sont sur THL par rapport à lui, genre. Il y a limite 20 niveaux d'écart. Qu'est-ce qu'il passe? Oh d'ailleurs. Oui, oh d'ailleurs. Vous pouvez obtenir Manaphy. Tu crois? J'essaie ironiquement hein, parce que je l'ai déjà. Là-dedans, merde. Il est là. Oui, qui nous a menti. En fait, fallait pas parler à un PNJ, fallait faire le cadeau mystère. Il est là. Piu-piu, zut, pourquoi je cours comme ça en fait? Et il court vraiment comme ça là? Je laisse pas le choix en garde. Tout ça pour combattre et perdre? Pas glam. Ah ok, il a juste un chaglam. Bah one shot. Attends. Ah oh, y a Cynthia. Remède secret. Ok. Peut-être
presse se tiennent immobiles, quoi qu'on fasse, ils ne bougent pas d'un peu. Tous les bruits, c'est le remède secret. Je me demande bien d'où elle sort son remède, la Cynthia. On connaît Tarcel les psychos, quoi. Alors, pas vraiment ça. Ah non, excellent, tu as utilisé le remède secret que je... J'espère que t'as un petit brume parce que j'ai des faits sans G. J'ai pas trouvé la CT. La CT, elle était... Elle était tout en haut de la tour... d'une tour, en bas de Gonville, je crois. Fallait parler à deux PNJ. Il y en a une qui te donne une rune purifiante et l'autre qui te donne la CT, je crois. Parce que justement, c'est la tour où il y a de la brume, quoi. Qu'est-ce que je voulais faire? Et donc là, il y a un sbire. Mew, il apprend une attaque tous les 10 niveaux, c'est pas rentable. Ouais, non, mais de toute façon, Mew tout court est pas rentable, je pense. Autant, il y aurait une façon de le faire passer en Mewtwo, ok, tu vois, mais bon. Pas le cas. Si t'as Mew, t'as Mew, et si t'as Mewtwo, t'as Mewtwo, quoi. Il a pas des attaques bien mieux après. Si, si, enfin... En vrai, il apprend surtout des capacités via les CT qui sont intéressantes. Parce qu'il peut apprendre quasiment toutes les attaques du jeu, je crois. Il apprend toutes les attaques du jeu, oui. Ouais. Après, niveau 80, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde pour le début. Pourquoi t'es en train de jouer Mew, dame? J'ai pas le jeu, trop difficile. Bon. On a pas tous les mêmes soucis. Hop là, un deuxième Pokémon qui évolue par échange. Loser, oui. Elle... Une mémé. Elle me donner un objet. Vous remettez le vieux gris-gris à la doyenne. Ah non, ok. Bah go. Oh oh oh. Enfin te voilà, darling. What the fuck. Bah, c'est comme ça, je suis devenu championne aussi. Enfin bref, je suppose que tu es là pour le challenge, mais je te préviens, c'est moi qui écrirai victory car je suis la championne. Normal, m'a appelé darling, genre. Vas-y, Jirachi, j'ai confiance en toi, lol. Allez. Je vais juste faire des 6 coups de boule comme un grand. Et tous les one-shot. Ok, tu l'as pas one-shot, c'est pas grave. Par contre, t'es brûlé. Et ça, c'est pas ouf. Du coup, tu sais, un anti-brûle. Jamais utilisé. Ok, je débite l'attaque. Il utilise une hyper potion, mais elle va mourir. Même pas un PV. Ok, c'est bon. Là, il a boom final. Ouais, ça va, ça me fait perdre un quart de mes PV, un peu plus même. Il apprend hypnose, on va le laisser apprendre hypnose quand même. Ectoplasma. Adieu, one shot.
ouais, ça donne énormément d'XP en fait. Et magie rêve. Maintenant, c'est déjà mon dernier Pokémon. Et ouais, meuf. Merde, il évite l'attaque. Bon, on va faire un vœu, hein. Ok, on l'a one shot coup critique. Hop là. Donc, ok, plus qu'un seul niveau, il est boulé en Tritosaur et ça nous fait encore un nouveau Pokémon dans le Pokédex. Gare Esprit, c'est pas intéressant, je sais pas pourquoi je la prends là. Ok, donc on a notre cinquième badge. Ça avance. Et elle va nous dire quoi? Enfin, elle va nous donner quoi? Enfin, ce badge déjà, ouais. Elle nous donne le badge fantôme. Elle nous donne les sauts. Et là, c'était 65. Yeah. Griffe ombre, ok. It's okay, it's okay. Non, il y a... Heureusement que j'ai soigné mes Pokémon, je savais. J'avais totalement oublié, mais je savais. Donc, prochainement, il y avait un combat. Tour vol. Jirachi, rose. Ouais, oui, oui, oui. Allez. Hop. On va faire un petit coup de poule des familles. Et on va faire ça sur toute cette team. Mais normalement, il sera mort. Et juste, il a Léviator, faut faire Psycho. Parce que du coup, il a Intimidation Léviator. C'est un peu chiant. Et nos Pokémon là qu'on est en train d'XP pour le Pokédex, ils vont être Gucci là. Scarino. Ah ouais, c'est vrai, c'est un Pokémon. Très bien ça. En tout cas, il s'est fait one shot. Il est insecte de combat. Ils sont tous montés de niveau là. Écrasement. À la place de charge, en vrai. Méditique à pied, voltige. À la place de balayage. Et toi aussi, tu vas prendre une attaque? Même pas, allez. Ah, Ponyta s'est pas fait one shot et en plus il a baissé notre précision. Du coup on va faire Psycho. Un plouf. Ah ouais, ce mur, c'est plus t'es proche de la moitié de tes PV, plus ça fait mal, je crois, en plus. Pas mal, mais difficile à être utilisé, ce mur. Et Roselia, on le finit. Bah, re-re-soigner nos Pokémon après. Je sais pas que j'ai perdu des millions de PP à cause de lui, mais... en monnaie. Ok. Voilà, de toute façon, à partir de maintenant, faut utiliser Simia Brave. Bon, du coup, on est en sous-sol moins 2. Ok, il y a le mec qui veut nous donner l'œuf de Riolu, là.
Vous décidez d'accompagner Armand. Les Pokémon sont blessés, je les soignerai. Du deuxième badge, qui est voulant Eoko, ouais. J'aurais dû sauvegarder parce que je crois que c'est l'endroit où... Il va me donner l'œuf de Riolu ou Riolu direct, je sais plus. Route de son, je peux en choper un, je crois. Ouais, dans une grotte, ouais. Mon couronné, je crois. Il n'y a que des Pokémon de merde face à Lucario là, enfin, qui galère à tuer potentiellement. Gigotage, allez. Skip. Et il a encore un autre sphère à pied. En vrai, le plus chiant là pour le moment c'est Cradopo. Voilà, faut le. Il a one shot me sur un petit, nickel. Ouais, je vais faire un météore. Ah ça y est, il se fait harceler mon Pokémon. Ah ouais, mais du coup, il me pose une colle, là. Bon, je le mets dans le PC. Je le prendrai juste après. Du coup, là, lui, il nous a donné l'œuf de Riolu. J'espère qu'on aura une bonne nature. Pour ça, je le joue. Si on n'a pas une bonne nature, je le joue pas, le Riolu. Ah, son fils, c'est Pyrrhic. Ok. Il a Bastiodon, Tidix et ok, Archéomir. Oh, grosso modo, on fait point boost quoi pour, sur lui. Et les deux autres ont les one shot. Mais bon, tu peux faire tous tes sorts, mon ref. Là je fais Mac Punch et on n'en parle plus. Là avec sa distorsion là ça va être chiant. Nickel. Et là après on spam close combat et normalement on win. La distorsion va bientôt sauter. On change pas. Oh putain, il a séisme.
Bah du coup tempête de sable me tue. Ok. On va faire un truc. On va mettre Archéodong. Oh, il a lévitation en plus. Les champions utilisent une hyper potion. Si on va utiliser une hyper potion. J'espère qu'il tient deux attaques. Ok, il les tient. Pour ça, là, j'ai juste à faire extra ascenseur une fois. On peut mettre onde folie. Into hypnose. Et allez, allez. Into hypnose. Nickel. Là, je repasse sur Simiabras. Et je refais close combat et c'est fini. Pour le Onyx déjà. Enfin, le Silix. Ok, il me reste une seule PP, je crois. Il me reste combien? Il me reste 2 PP. Ok, ça va. On fait close combat. Voilà, il n'y a plus de Steelix. Si je l'avais laissé full HP, je me serais retapé le fermeté, ça aurait pas été ouf. Et là, il envoie Bastiodon. Et du coup, close combat one shot, hein. Oh, il a fermeté aussi, la blague. J'espère que je me prends pas un OS de 6. Ok. Ok, nickel. Ok, on a le 6ème badge. Un peu sué du front pour le Steelix qui avait 6. Il m'a laissé à 2 HP. Heureusement que j'avais gros le coq. Ça m'a dit un truc par rapport à la Pokémon, j'ai pas lu. C'était 91, Lumino Canon, ok. Terre. Et lui, c'est qui déjà son prénom? Saturne. Bah du coup, point Métor qui va enfin carry. Oh là là, en plus mon attaque elle augmente et tout. Oh, c'est vrai, il a Coatox et tout. What the fuck? What? Quoi? J'ai appris force à un de mes Pokémon et je peux pas l'use. C'est parce qu'il faut que tu fasses la cinquième arène. Oh. Eh oui, Mind Demon. Super. T'es dans l'endroit à Celestia où tu peux pas passer là du coup.
Ce qui m'arrivait aussi tout à l'heure. J'ai dû aller faire la cinquième arène, mais du coup, j'y suis même pas retourné. Team Galaxy au... Le visage me rappelle des souvenirs au parc éolien. Je suis Mars. Et du coup, on refight Mars. Avec son chat glam. Nosferalto, à mon avis, maintenant? Ouais. Nosferalto, chat glam. Non, chapreux. Et je sais plus qui est en dernier. XP, ok, un Archéomir. On va changer volontairement. Parce qu'Archéomir, c'est assez chiant en vrai. Hop là, Jirachi. Ouais, j'aurais pu laisser Simavran, hein. Close combat sur Chaffreux. Un peu violé, quoi. Oh, il fait rugissement, allez. Rugissement. Au niveau 39. Bon. Que 3 niveaux à Ponyta. Bla 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 bla, ok. Donc lui aussi était capturé par la Team Galaxy. Vous êtes tous les deux mesurés à de vrais criminels. Je suis tellement soulagé, vous en soyez sorti indemne. Prenez ici du lac Savoir. Je me suis fait du souci pour Barry. Et donc là, faut savoir ce qui se passe au lac Savoir. Et pour le lac Savoir, faut passer par le Mont Couronné, je crois. Ok. C'est quoi cette ville? C'est Celestia. Mon ville. Pourquoi il y a des villes en bleu et des villes en rouge? Ça me perturbe. En tout cas, faut se rendre au Mont Couronné. Après la ligue, elle est là, je crois. Et la ligue Pokémon, et ça, c'est les aires de détente, de survie et de combat. Et ça, c'est la tour de combat. Alors, c'est la route 227, ok. Bon, l'aire de combat, il y a la tour de combat. Ok, bon, bah, on va du coup vers la 7ème arène. Wow! C'était un enfer! Apparemment, en vrai, je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose de faire des points boost sur cette arène. Je pense que je la trucide. Je vais quand même faire des points boost. Le gaming est passé au niveau 10, 16. Et il a quoi? Il a un blizzard roi à la fin? Enfin, elle a un blizzard roi à la fin. Comment on voit le top? Il est en bas de ma bio, normalement. Non, à mon avis, c'est point d'exclamation leaderboard. Il a Charmina.
Oh, let's go top 6, effectivement. Je sais même plus c'est quoi la commande, sincèrement. Bah voilà, c'était point d'exclamation top. Ah, j'ai 10 560 points. D'accord. Enfin, on n'a pas tous les mêmes points, quoi. Enfin. Cruel. Ok. Les points de chaîne, j'imagine, ouais. Et bah c'est pas les points de chaîne du coup. Ça doit être autre chose, je sais pas c'est quoi. Je sais pas comment on peut voir le top des points de chaîne. J'ai pas mis d'extension pour ça, je crois. T'es en train de spawn toutes les commandes possibles. Acrobatie. Ah, c'est mon. Ok. Bon, sincèrement, ça sert pas trop à grand chose de t'apprendre une attaque comme ça. Bon, bah, on a AOS tous les Pokémon de cette arène. Y compris son Blizzard qui a pris x4. Et on a le 7ème badge. La 10 vous donne le badge glaçon. Vous obtenez des CT72. Et c'est avalanche, ok. Bah, du coup, on peut aller aider le mec là au lac Savoir. Ça, c'est Jupiter, elle faut quoi encore elle? Les Pokémon sont pas mauvais, mais tu. Nécessairement pouvoir sauver le monde du lac et devenir maître Pokémon en plus, continue de rêver, petit dresseur. Quoi que l'on soit, il fait trop froid ici. Brrr. Ah, c'est bon, c'est déjà vu à Vestigio. Donc là, il s'est fait battre par Jupiter. Bon, j'avoue, j'ai rien pu faire contre la Team Galaxy. Mais t'es nul à chier, ce Pokémon Crelf, il avait vraiment l'air de souffrir. Je vais devenir plus fort, au fond, la victoire, la défaite, tout ça, ça veut rien dire, faut juste que je devienne plus fort. Putain, miskin! Il fait pitié, voilà! Je vois, tu dois être l'adresse aussi qui est mentionnée dans les rapports que j'ai reçus, cette tête brûlée qui a choisi de s'opposer à la Team Galaxy. Je connais la raison de ta venue, tu es ici pour crève, crèfolée et crèfadée, n'est-ce pas? Ces Pokémon ne sont plus d'aucune utilité, si tu souhaites les récupérer, fais donc. Cela m'évitera de devoir m'en débarrasser, tu es libre d'en faire ce qui te plaît. Cependant, je dois admettre que tu es un spécimen remarquable, ces Pokémon n'ont rien à voir avec toi, n'est-ce pas? Pourtant, tu viens les secourir par pure compassion. La compassion, c'est l'émotion misérable et illogique, hein, nanan. Et ok, il me combat. Oh, le thème. Ça fait longtemps.
Je vais le mettre à fond carrément. Par contre, on l'éclate. Mais la musique est bien. Mais on l'éclate. Attends, il vient de dire c'est son dernier Pokémon ? Putain, je me souvenais que le combat était beaucoup plus dur, il avait Corbos et tout, je crois. Mia Braz monte au niveau 53 et Tourvol au niveau 33. Apprendre Bélier, bon. Ludo, ouais, vas-y, si tu veux. La place de puissance. Et il me donne la Master Ball. Et pour sortir, du coup, c'est ici. What? What the fuck? Oh. Ne me dis pas que tu as fait tout ce chemin pour sauver quelques Pokémon. Décidément, je dois dire que la logique du chef m'échappe. La Team Galaxy prend ce don, elle a besoin, elle élimine le reste. Pourquoi le chef laisserait-il un enfant comme toi aller au bout? Très bien, puisque tu as le courage de venir jusqu'ici, je vais t'accueillir comme il se doit. Tu vas payer pour la fin. Et donc là, on enchaîne. Helio into Saturn. Bah lui, on va l'éclater en fait. En météore. Ça booste notre attaque, tout ça, tout ça. Remoraine niveau 21, il va bientôt évoluer direct. C'est rapide lui. Coatox. One shot. Et merde, il y avait Archéomir, à chaque fois j'oublie de skip, genre. C'est trop inhabituel d'appuyer sur B. Bon, du coup, on va spam point météor. De toute façon, vu le peu de PV qui m'enlève, vu ce que je lui mets. Voilà, nickel. Je dois mettre que tu corrosses mes formes. D'où te vient cette puissance? Soit fais ce que tu veux de ces trois Pokémon, il suffit d'appuyer sur le bouton de cette machine pour les libérer. Donc là, ils ont attrapé des Pokémon légendaires vraiment au calme, et ils les ont enfermés dans des trucs au calme. Lui, il a l'air de vivre sa meilleure vie. En fait, ils vivent tous leur meilleure vie, en fait, genre... Voulez-vous appuyer sur le bouton? Oui. Le chef a fabriqué une chaîne rouge à partir des cristaux qu'il a extrait des trois Pokémon. Il en a besoin pour enchaîner quelque chose sur le mont couronné. C'est tout ce que je sais. Il sait ce qu'il compte faire là-haut.
Et donc là, en gros, ça insinue qu'il faut aller au Mont Couronné, quoi. Regarde. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Enfin, je crois peut-être non. J'allais te dire de pas te mêler de nos affaires, nanana. Un combat duo. Mais j'ai plus aucune PP. Je peux plus attaquer. Sur Jirachi. What the fuck? Soignez-moi, wesh. Attends, je fais vœu. Une toux aux roues de feu à droite. Et toc. J'ai farfuré. Et ça fait bim bam boum, ça fait pichet, ça fait bon. Suicide-toi, s'il te plaît. D'ailleurs, les rapidbots, elles sont trop cheatées sur ce jeu pour attraper. Ah. Bah, tu la lances direct et ça marche quasi tout le temps de t'attraper un Pokémon. Du coup, mon équipe, je vais bouger du coup, Bitizy. Bah, du coup, t'as quoi dans ton équipe? Là, actuellement, je suis en train de monter Noserapi en Noserato. Ok. Et après, je pense que je vais faire un Meditica ou Archomon. Et puis après, je sais pas. Après, dis-toi Meditica, enfin l'évolution de Meditica, tu peux l'avoir juste après, dans pas longtemps. Bah ouais, on verra si je la rencontre. C'est niveau 36, je crois, son évolution quand même. Moi, je l'ai fait évoluer, mais... Ouais, t'as pris l'œuf à Union Police? La quoi? L'œuf. Oui, j'ai eu un petit ravi dedans. Ouais, moi je l'ai toujours pas fait clou. Ça prend archi du temps. Ouais, faut beaucoup marcher. Je suis obligé de faire vœu tellement j'ai plus de PP, genre c'est la honte. Ah, moi j'ai enlevé vœu pour. C'est cool, boule. Eux, c'est cheaté quand même. Donc, je l'ai gardé. Mais j'ai gardé Fontaine de Vie. Pas mal pour du duo. C'est vrai que faut que je fasse aussi mon Psycho Quack en Aqua Quack. Bah, tu peux l'attraper dans le lac Savoir, je crois. Ah, bon, bénef. Ah, et j'ai Tritosaur bleu du coup maintenant. Ah, parce que ça mal. Je sais pas, mais. Je me suis tapé un délire de d'évoluer des deux coquilles bizarres. Ouais. Voilà, j'ai Tritosaur bleu et Tritosaur rose. GG. J'ai à toi, mec. Alors, équipe. On va mettre Simiabras en premier, du coup. Non, en vrai, un bonhomme. Laisse Jirachi sans attaque. Simulant donc combat pas. À la place de Tritosaur, du coup je peux faire évoluer qui? Parfuré d'évoluer au niveau 40 je crois, attends. Phare U. Rien du bon. Vas-y, parfuré. Ok. Prati, ici, lui. Porfuré, il voulait avec une griffe rasoir la nuit. Est-ce que je possède la griffe rasoir? Ça, c'est la bonne question. Et par nom. Je sais même plus à quel niveau il évolue de ce rapti. Il évolue à niveau 25, je crois, en Osferalto. Et Osferalto évolue par bonheur en instant fer. Ok, j'ai pas la griffe rasoir, je peux pas faire évoluer Farfuré. Et qui d'autre que je peux faire évoluer? Blizzard, Blizzard Roi, je l'ai déjà. Ok, c'est moi, j'ai déjà toutes les évolutions que je peux avoir au maximum. Bah du coup, j'ai posé mon Tritosaur. On va finir les deux autres. Auto. Bon, j'espère vraiment qu'il me soigne.
Inch'Allah. En vrai, j'ai un peu peur, donc je vais mettre Team Abraz. Je crois que t'étais un bonhomme. Non, je suis pas un bonhomme là pour le coup. Oh, c'est trop stylé ça, mais. Oh là là! Mythique a créé sinon. Ouais, mon seigneur Braz est bientôt 45. Ah, donc là, genre là, je dois le capturer ou fight Edio? Je comprends pas. Je crois le capturer, non? Pas si vite, je comprends que tu as envie de te battre contre notre chef. Je dois enchaîner 3 combats difficiles. Sans bah PP ouais. Ah non, c'est bon, il y a Perlo, enfin il y a Barry. Je crois que c'est lui qui doit me soigner. Nickel. Je suis en poule de cul de passer à le 40. Merde. Quoi? Je me suis gouré. Moi, je crois que dans cette maison, je peux me faire soigner. Ah ouais. Ouf. Mouflar gaz toxique. Ok, j'ai perdu tout ça en PV à cause du poison. Super. En réalité, je vais faire guérison. Hein. Mais Braz est très reconnaissant. Ok, nice, il est brûlé. Mais moi aussi, mais Braz, il se fait bully. Il se fait harceler? Ah oui. Stormy. Mais il est con, il m'envoie un match au pair alors que mes attaques sont super efficaces. Normalement, je suis capable de tanker 2 attaques into le poison. Ok, là je tank absolument pas, c'est pas bon. C'est mieux pour être 45 du coup. Comment je fais? Je pense que je meurs quasiment sur ce tour. Non, en vrai ça va.
un total soin ou un antidote. Et qu'on apprend que c'est mort à côté. Mon flair meurt, nickel. Ok, Nosferatu c'est déjà beaucoup plus chill. Et lui sort un Etouraptor. Niveau 41. La brasse passe au niveau 55. Ok, j'ai failli mourir, mais au calme. Passe. Ça y est. Ah, Squeak rejoue. Bah, pas ajouter un ami, je crois, en plus. Ouais, il t'aime pas. Hein. Possibilité. Ou ça, c'est moi qui l'ai pas accepté. Non, je pense qu'il le t'aime pas. Mais c'est abusé. C'est quoi ces Pokémon? Oh, ils mettent poison, ils font du super efficace. Ouais, oh, choc mental, on va mettre psycho. Ouais, psycho, c'est fort. C'est fort en choc, quoi, là. Slash ban Yanou underscore main. What? T'es SRX? What? Ça bug beaucoup, là. Tu t'es fait token grab, toi, je reconnais. Ouais. C'est ça, ça doit être ça. Il me voit se faire sceller vraiment. Il a 11 PV. Il va finir le combat à 11 PV. Hirachi niveau 56. Et Hirachi va prendre vos soins. On va manger un chien, il est passé 42 là. Je pense que V est plus puissant après V soin. Non, 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 c'est... on sort ton KO pour soigner les PV et le statut du Pokémon qui passe après lui. Ouais. Personnellement, je trouve ça un peu inutile. J'hésite. Non, ouais, non. Bah, en vrai, c'est fort. Ça veut dire, dès que t'es sûr de mourir, tu fais healing, enfin, tu fais vœu soin et. Et ton Pokémon d'après, il est full soin, plus aucun problème de ses yeux. Vas-y, je vais l'apprendre. Ouais, bon. Utile. Genre, pour la ligue ou quoi, je sais pas. Furet, Charmina, Bizinut, Super Mythica. Les Pokémon sont des durs à cure, pas vrai, ils peuvent encore progresser malheureusement, je crois. Yes, il me soigne. Oups. Allez, je compte sur toi. Bon toutou. Oh, vas-y, Dialga. C'est le même Dialga que les anciennes versions, non? Ouais, elle a pas changé. Bah, il est juste ultra stylé là en
pour cette version. Ouais, avec le petit truc rouge là, ouais. Réel. Réfolé. Réfadé. Et donc là, j'ai même pas le temps de prendre mon Jirachi qu'il lance déjà le combat. Oh mon dieu. Ça doit être ça, ouais. Oh là là. Barbos. Raichu. Scorpioness. Il m'a fait un tranchère ou critique. Il me reste 35 HP, c'est bon. Et c'est bon, je vais pouvoir switch sur Jirachi. Ce sera plus safe. Il a séisme, c'est critique. What the fuck? Je me fais exterminer. Il utilise une guérison. C'est une blague. Oh, il a que des attaques super efficaces contre moi. Parce que tu te fais bully. Okay. Bic, bon. Envoie Jimoré. Envoie ici Myabraz. J'espère qu'il va pas me sortir une attaque du Turfu pour un Jimoré, je vais pas comprendre. Il va me sortir Surf le Bouille. Il va me sortir Cascade et dans le canon. Faut que je me soigne. Faire potion. Il fait tunnel. Mais c'est une blague? Potion max sur Jirachi. Wesh. En plus, il me vole. Il a le talent pickpocket. On peut donc dire que c'est un arabe. Oui. Le combat est super dur. C'est-à-dire que dans les versions précédentes.
Non mais là je sais pas, c'est juste que j'ai deux Pokémon et que c'est ultra dur là. Ah oui c'est vrai. Ils me font des attaques coups critiques et tout, genre what the fuck. Hippopotas. Si vous t'inquiète. Je suis censé utiliser comme Pokémon contre lui. Ah, c'est Pokémon de type sol donc tu fais n'importe quoi. C'est bien Gis. Hein. Ce Pokémon qui est en open world ou alors celui d'Arceus? C'est celui avec Arceus qui est en open world. Il sort pas maintenant, apparemment. C'est en janvier qu'il sort. Ouais. Le 28, normalement. Bien renseigné. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est juste que j'en ai parlé hier avec Maxime 2. 2. 3. Oh, c'est le deuxième Maxime. Oui. Ok. Yes, j'ai réussi le combat. Je suis mec. 17 000 Poké Dollars. Voir que t'avais pas cette thune. Ah, bah mon parloche évolue en parbicha. GF. Un nouveau Pokémon dans le Pokédex ? Oui. Oui. Oh, mon Oswaldi évolue. Bien joué. Au level 23 finalement. Il va prendre mania. Bon, allez, ça saute. Allez, va là-bas. Hippopotas évolue en Hippodocus. Il manque Kradupu qui évolue en Coatox. Et j'ai animé Pokémon. Oui, enfin, par ceux qui sont en évolution par un de bonheur, ouais. Bon, on a que j'ai Salto. Hop, boîte PC. Parfurez, c'est le level 40 du coup? Ouais. Non, non, c'est. Il faut le faire monter d'un niveau avec la griffe rasoir. Magikarp, c'est le level combien? Niveau 20. Ah ouais, il faut que je fasse mon match-up d'abord. Donc là, en gros, ils sont partis, ils m'ont laissé tous là avec Dialga, genre. Bah, de toute façon, t'as la Master Ball, non? Ouais, impossible de dire si les traits sont en colère. Je sais pas si je focus une nature ou. Je compte pas vraiment le jouer en vrai, Dialga. Moi je ne compte pas focus sa nature, hein. Parce que actuellement je ne suis pas cocu. Quoi? Quoi? Pour choper Jirachi du deuxième coup, par exemple. Oui, bon. Et voilà. C'est rien, c'est la rue. C'est quoi, j'ai envie de me taper une barre si. Je vais regarder les natures que je peux avoir sur du Legal intéressante. Si je chope le premier coup, vraiment ce Pokémon. Si tu chopes une bonne nature du premier coup, je te fais un don. Oh, ah bah non, je me subrai pour descendre. J'utilise une hyper potion. Ok, alors. Attention. Alors, nature intéressante. DS. Calme. C'est quoi Maid? Je sens que tu vas te taper un talent foufou. Enfin une nature foufou. Alors soit doux, soit précipité. Soit doux, soit précipité, soit calme, soit modeste. C'est les quatre. Je sauvegarde, il faut que j'ai une des quatre. Attends, donc modeste, calme. Modeste, calme, précipité, ou... Je vais dire quoi? Modeste, calme, précipité, ou... Doux. Doux. Ouais, doux. Genre tout doux. Tout doux le loup. Je vais l'attraper en hyper ball. Allez, en rapid ball. Un cinglé. Par contre, si ça marche. Mec. Ouais, mais du coup, si t'arrives à l'attraper avec ta rapid ball, tu vas en faire quoi de ta master? Je sais pas. Je vais essayer. Tu as attrapé? Oui. Wesh. Bon, bah, mois prochain, je me sub. Quand j'ai dit que c'était surcheaté cette Pokéball.
On est tous en screen, en clip, tout ce que vous voulez. Ah, je fais un clip intense, instantanément, hop. What the fuck? Un pitbull, un Zelga, un légendaire? Ouais, bah, ouais. J'ai en plus, hein. Alors que quand j'ai balancé une rapid ball sur un must float, il s'est pas fait attraper, genre, bon, allez. Et c'est d'une logique. Je pense que j'ai eu une chance incommensurable. Et quand je te dis que tu es cocu. Oui. Allez. Oh non, ça sauvegarde, donc j'ai pas le choix de faire la nature. Et donc j'ai eu quoi en nature? Malpoli, dommage. Ok, bon bah j'ai dit Zelga. Et de type, de quel type d'ailleurs? Acier dragon. Il y a une de ses capacités, elle est surcheatée, je sais plus laquelle. Dure le temps. Ouais, voilà. On va le mettre dans le PC. Et là, donc, du coup, je vais faire quoi? En fait, je compte toujours sur toi pour remplir mon Pokédex. Ok. Ça doit être Squeak qui t'a dit ça. Non, c'est le professeur Sorbier. Allez, arrive à Mar. Et là, donc, je vais faire l'arène de type électrique. Oui. Avec Tanguy. Il y a une démon qui monte dans le level encore, niveau 30. Il commence avec un Raichu. Échange éclair. Rapidex. Je vais en profiter pour me booster sur lui du coup. Et bluff. Ok, one shot. Il renvoie son Raichu. Fait une guérison, bon. Pour refaire un change d'éclair à mon avis. Mais il a pas eu le temps, donc psycho, GG. Un Octillery. On va faire petit coup de boule, normalement ça le tue. Ok, de large. Et Luxray, c'est son dernier Pokémon. Et partout, voici ma botte secrète. Il m'a baissé mon attaque de 1. Et on le two-shot en gros. Il aura pas le temps de nous taper. Ah, déjà mort. Oh merde, il lui reste un PV. Yo, Sisugimi. Ok, j'ai l'ultime badge. Mine il a diamant, c'est Squeak qui a perle. Squeak il a perle est un... enfin scintillant. Yo Gabin, oui. Rayon chargé.